Il était venu avec Jean-Pierre Savelli, l'ancien chanteur de Peter et Sloan, vous vous rappelez? Ben aujourd'hui, il est tout seul, il est en face de moi, c'est Damien Michel. Bonjour Damien, ça va? Ben bonjour Olivier, bonjour à tous. Ben écoute, ça va super, hein. il fait très très beau, donc ça va. Et surtout, tu n'es pas venu avec ton accordéon, puisque tu es accordéoniste. Et si tu es là aujourd'hui sur les ondes de Radio JM, c'est pour nous parler de la sortie de ton album, entre autres, puisque tu as pas mal d'actu en ce moment. Hein. Oui, donc ben là, le dernier gros projet, c'est donc l'album qui s'intitule « L'essayer, c'est l'adopter ». Alors, cet album, tu étais venu nous en parler, c'était juste le début hein, quand il allait sortir. C'était au tout début, oui. Et alors, comment ça se passe justement pour cet album « L'essayer, c'est l'adopter ». Comment on fait pour adopter la musique de Damien Michel? Elle est accessible, je dirais qu'on touche à tous les styles de musique, c'est ça? Alors donc oui, c'est un album qui est beaucoup basé sur les styles latino, puisque c'est ce qui marche énormément actuellement, donc les cumbia, bachata, kuduro, zouk. Et on en écoute un petit bout. Samba Violeta, par exemple. Voilà, c'est un des titres. Donc on danse beaucoup sur du latino en ce moment. Oui, hein. Oui. Et donc c'est carrément la tendance, comme par exemple tu disais la bachata, le merengue, la samba, donc la cumbia. La cumbia aussi, oui. Ah oui. Et donc tout ça tu proposes dans ton album L'essayer c'est l'adopter. Donc cet album, comment t'es venu l'idée justement de penser à faire un album? Puisque bon, on le sait, tu tournes souvent avec Jean-Pierre Savelli. Tu m'as parlé aussi tu es aussi en partenariat, enfin sur des événements avec Jean-Pierre Savelli. Il y a la complicité aussi de Magali, la chanteuse. Oui, bien Magali, sûr. Qui était la co-animatrice de l'émission Musique à Thème avec Serge Amsalem, que tu connais bien aussi. Oui. Le mercredi soir, Magali qui est notamment entre autres la choriste de Gilbert Montagnier et aussi de Jean-Pierre Savelli. Donc tu tournes avec eux et là tu t'es dit allez c'est bon, je vais créer un album. C'est le premier, c'est... Alors celui-là c'est ouais. Mon troisième. Ah ben donc, voilà, les deux précédents c'était des albums donc vraiment basés sur l'accordéon entre guillemets traditionnel, donc musette. Oui. Et puis moi comme c'est le style latino, c'est un style que j'aime énormément. Bien sûr. Et comme c'est... C'est entraînant. Et voilà, donc c'est ouais. Des rythmes où de suite tout le monde se lève. C'est ça. Donc on a fait des titres avec Jean-Pierre qu'on a écrit ensemble. On a aussi repris quelques mangas. Oui, je vois. Mangas. Le Capitaine Flamme, entre autres. Et oui, donc et ça t'a... C'est donc un changement, puisque toi, tu aimes... En général, tu tournais beaucoup dans les, par exemple, dans les dancing. Dans les balles, oui, dans les dancing, les fêtes. Dans quelque chose de plutôt rétro. Ah oui, là, ça n'a rien à voir. Hein. C'est ouais. Et quoi qu'on... Dans les dancing, ils nous demandent de plus en plus des danses latino. Aussi, également. Et oui, oui. Comme par exemple, est-ce que tu fais aussi le kuduro? Ah oui, bien sûr. Oui. Ouais. C'est un passage obligé, ça. Ben, Capitaine Flamme, j'ai fait un arrangement kuduro dessus. Ah ben, on va l'écouter après. Et donc, tu as créé cet album tout seul? Non. Ben, donc on l'a fait en complicité avec donc Jean-Pierre. Et puis après, il y a aussi la chanteuse Cathy Lorenz. D'accord. Qui est prof de chant dans l'école que Jean-Pierre tient avec sa femme sur Paris. Oui. Voilà, donc après, moi j'ai fait les arrangements à la maison. Puis le mixage, c'est Jean-Pierre qui a fait ça chez lui à Paris. Donc il y a quand même la griffe de Jean-Pierre aussi sur cet album « L'essayer, c'est l'adopter ». Je rappelle que je suis avec Damien Michel. Alors Damien, comment on fait déjà pour se procurer l'album? Comment on fait pour te retrouver par exemple sur Facebook? Parce que moi par exemple, je suis ami avec toi sur Facebook. Alors on peut trouver l'album donc auprès de Jean-Pierre sur son site Minuit 10 Productions. Oui. Voilà, ou sinon via aussi Facebook, puisqu'il y a une page spéciale pour l'essayer, c'est l'adopter, ou alors sur mon site perso Damien Michel. Oui. Mais le plus simple, ça reste par Jean-Pierre sur le site Minuit 10 Productions. Minuit 10 Productions. Donc il y a la possibilité de se procurer le CD avec de la matière, parce que on sent quand même cette tendance à un retour à la matière, puisque justement depuis quelques années, Internet avait carrément fait s'éclipser les CD et aussi bon les CD avaient remplacé les vinyles et, oui. Et maintenant on sent chez les gens un retour ils ont besoin de matérialiser, de toucher, d'avoir le CD entre les mains. Alors il y a le retour du vinyle, le retour du CD. Oui. Donc c'est pour ça entre autres que tu as sorti ton CD et on se fournit donc auprès du site on le trouve facilement.
Oui, oui, oui. Donc, on va sur le site et là, il y a... Rappelle-nous le site, s'il te plaît. Alors, c'est Minuit 10 Production. Minuit 10 Production. On va écouter un peu de ta musique, mon cher Damien, avec cette cumbia. Cumbia, je t'aime. Parle-nous de ce morceau. Alors, ce morceau, donc, ce qui s'intitule aussi Cumbia, je t'aime. Ou alors, il y a la version chantée qui s'appelle Nom de Nom. Ouais. Et la cumbia, donc, c'est un rythme qui vient de l'Amérique du Sud, qui est... c'est entre un mélange entre le zouk love et la kizomba. D'accord. Donc qui est très 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 festif et très très entraînant. On va l'écouter et puis c'est surtout que très prochainement sur Radio JM avec la complicité de notre ami Serge Mselem, on aura une émission qui sera consacrée aux jeunes talents, aux talents de la région et je pense que tu auras ta place bien sûr puisque tu es de la région et que tu es aussi un ami de Radio JM. On écoute Cumbia je t'aime et on se retrouve dans un court instant. Ça c'est pas mal, c'est entraînant hein. C'est ouais. Toujours donc avec cet accordéon. Moi j'avais vu un reportage sur une émission là, il y a pas longtemps apparemment dans le centre de la France, je sais plus si c'est dans c'est pas loin de la Corrèze je crois, il y a un fabricant d'accordéon. Oui, à Tulle, voilà, qui Tulle, est voilà. L'usine ouais. Mogen ouais. Et donc c'est vrai que l'Auvergne c'est une région qui est très très basée sur l'accordéon oui. Et moi c'est cette région d'ailleurs qui m'a fait découvrir l'accordéon oui. Quand alors on est-ce allait... que ça s'est perdu l'accordéon ou est-ce qu'il y a toujours quand même ce côté traditionnel? Ah non au contraire ça revient énormément, il y a énormément de jeunes qui s'y mettent et puis on commence à voir l'accordéon dans beaucoup de styles, notamment dans les kuduru on en voit de plus en plus, dans les kinvé, même Kenji oui. Kenji il y a énormément d'accordéon dans ces titres. Et justement l'accordéon c'était quand même l'emblème de la France et ah oui. Pendant un certain temps on l'avait carrément perdu, justement peut-être les années 70-80 oui l'époque des yéyés ouais, l'époque des yéyés et justement là il y a un renouveau avec donc ton album Damien Michel, L'essayer c'est l'adopter. Alors comment est venue cette idée de titre? Alors le titre ça vient pas de moi, hein, ça vient de Jean-Pierre qui un jour m'a téléphoné, il m'a dit ouais. Tiens qu'est-ce que tu penses de ça et c'est vrai que moi j'ai pensé ouais. Qu'il faut l'essayer pour l'adopter quoi. Et il donc on a rigolé sur ça. Bon, et c'est moi j'avais vu, là je n'ai pas l'album à proximité mais ah, la je pochette, me rappelle oui. Que la pochette elle était quand même elle fait beaucoup accrocheuse. Parler cette pochette oui. Voilà. Ça mais c'est le but. Bon et c'est le but. Lama de Long, là c'est plutôt. Alors ça c'est un zouk. C'est un zouk. C'est hein. Vraiment zouk. Voilà. C'est pas Lama de Long classique, hein. Si non. C'est Ma de Long donc du ouais. Coup. On écoute. Damien Michel, l'essayer, c'est l'adopter. Donc, en fait, c'est le nom de l'album, l'essayer, faut l'adopter. Oui. C'est un album essentiellement instrumental. Ah non, il y a des parties accordéon, donc comme le titre là, que tu passes. Oui. Puis après, il y a aussi pas mal, il y a je crois 4 ou 5 morceaux qui sont donc chantés par Cathy Lorenz. Cathy il y a Lorenz. Les versions accordéon et les versions chantées. D'accord, dans l'album, donc on a, il y a combien de morceaux en tout? Il y a 19 morceaux. Ah, c'est pas mal, ouais. Oui. Là, c'est un format où vous en aurez donc pour tous les goûts. Madelon, c'est du zouk et bien sûr... On est obligé de passer bah oui. Par les mangas quand on connaît Jean-Pierre Savelli. Forcément. Qui était venu à la Foire de Marseille l'année dernière. Oui. Je crois même que c'était cette année, non? Ou c'est l'année dernière? Je ne sais plus. Cette année, oui. Cette année, le temps passe vite. Et donc le Capitaine Flamme, bien sûr. Ah bah oui. Mais tu l'as traversé. Ah, c'était bien ça. Ah, on l'imagine voler là. C'est ça. C'est toujours été un morceau qui nous a fait voyager ça. C'est incroyable. Qui rappelle beaucoup de souvenirs oh là là, à oui. Des jeunes. Donc Capitaine Flamme, Madelon, Cumbia je t'aime, Samba Violetta. Mais quoi d'autre Damien? Oh ben après dans les mangas on a aussi ouais. Candy, Maya l'abeille. Ah oui. Ah oui, après on a mis du Madison aussi puisque ça c'est très très ah, tendance actuellement. Mais bien sûr, Madison. Donc tu m'as parlé aussi de cette version kuduro hein, voilà. Donc ça aussi c'est bien. Et c'est cette version là c'est cette version là. Voilà, oui. D'accord, ouais, ouais. Tout à fait. Alors, on vous imagine bien danser le coup d'euro dessus, hein, chères auditrices et chers auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus, Damien Michel? Eh ben, écoute, que l'album connaisse le succès ouais. Qu'on espère et que les gens... Ça commence déjà, on le sent.
Voilà, on a fait pas mal de télé, de radio notamment, et ça commence à prendre un petit peu tournure, voilà. Donc on essaye de bosser encore plus pour faire évoluer les choses. On bosse, on essaye de faire de la com, comme on dit. Et surtout, par exemple, quand tu es sur un événement, par exemple au dancing ou etc., à la fin, les gens te réclament les musiques. Ils commencent à bien connaître, oui. Voilà. Ouais. C'est ça, il faut les promouvoir ces musiques de Damien Michel. L'essayer, c'est l'adopter. Merci à toi Damien, rappelle-nous le site internet pour se procurer le CD. Alors c'est Minuit 10 Productions. Minuit 10 Productions, donc ça s'écrit minuit, donc c'est la lettre. Minuit, le chiffre 10. Le chiffre, voilà. Voilà, et production. Production pour l'album Damien Michel, L'essayer, c'est l'adopter. Damien, merci d'être venu ici sur Radio JM. On aura l'occasion de se revoir avec certainement Jean-Pierre, Magali et toute l'équipe. Oh, ben on viendra tous les trois, tiens. Voilà. Avec plaisir, tu le sais que tu es toujours le bienvenu. Tu reviendras aussi, je présume, dans l'émission de Serge M. Salem, Musique à thème. Merci à toi. Ben merci, à bientôt. Au revoir, Damien. Au revoir.